ce, pour une très bonne raison, on va s'éclater à la Foire du Trône. Et là, vous vous dites, mais quelle arnaque, elle a déjà été à la Foire du Trône. Eh ben oui, je vous ai bien eu. D'autre part, vous vous dites, mais tiens, quelle est cette diction sublime? J'ai l'ivresse des bois. Il y a les fraises des bois, il y a l'ivresse des bois. Enfin, moi, je suis plutôt sur la deuxième. Autant partir sur une relation saine, autant ne pas se mentir. J'ai à cœur de nourrir avec vous une relation des plus sincères. Oui, c'est vrai. Mais quoi de mieux que d'être ivre? Qu'importe l'ivresse. Pourvu qu'on ait le flacon. Non. Qu'importe, je sais plus. Qu'importe le flacon. Pourvu qu'on ait l'ivresse. C'est ça. Qu'est-ce que je voudrais dire? Oui, mais oui, c'est ça. Oh là là. Allez, on y va. Bonsoir Laurent. Vous soutenez les Petits Princes? Je vois que vous avez le badge. Oui, et tout. Absolument, je soutiens l'association Petits Princes parce que le combat est noble, parce que c'est venir en aide et réaliser des rêves d'enfants, c'est suivre des enfants, c'est aussi accompagner les parents. Ça nous touche en tant que parents. Chacun apporte ce qu'il peut dans la vie et voilà, ça permet de mettre une lumière aussi sur des associations qui ont besoin. C'est la part du colibri. Exactement. Votre attraction préférée? Ça serait plutôt tout ce qui tourne autour de la nourriture finalement. Parce que moi j'aime bien les stands avec les crêpes au chocolat, les barbes à papa, les guimauves, des petits concours de carabine à plomb avec ma femme. Qui gagne? Elle est vachement douée. Ça m'étonne pas. On s'en sort bien tous les deux. Faut pas que je m'embrouille avec elle. La grande roue, c'est romantique. La grande roue, c'est romantique. Regardez, en même temps, je découvre. J'avais envie de vous envoyer en l'air. J'ai envie de m'envoyer au 7e ciel ce soir. Mais j'ai un peu peur, hein, j'avoue. C'est vrai. Je sais potentiellement ce qu'il y a. Il y en a où ça fait envie quand on est en bas, mais ça fait un peu peur de monter dessus. Quand on est en haut. Ok, donc l'année dernière, j'avais fait la tour avec Mathias Vancache. Cette année, je vais faire le bras. Alors j'ai ouï dire qu'il y avait Mister France. Où est-il? Ah, alors attendez, on a un Mister. Mister National. Mais bonsoir. Oh putain, pardon. La boîte à gros mots. C'est la première fois que je me retrouve à côté de Mister National. Jacques, qu'est-ce que ça fait d'être Mister National? C'est une grande fierté, de grandes émotions. Et surtout pouvoir représenter son pays au plus gros concours mondial de beauté pour hommes. T'as conscience, au niveau national, c'est toi le number one quoi. Ah oui, c'est sûr, ça fait vraiment plaisir. Après, faut se dire, c'est que y a la beauté physique et la beauté intérieure. Et il y a aussi le 06. Ah, j'ai pas le droit de le divulguer, mais oh oui, là là. Vous pouvez aller voir les réseaux sociaux, c'est Alexis. Poriatis. Alexis Poriatis. C'est pas commun. Ah, c'est pas commun, non. C'est d'origine grecque. Je vais aller fantasmer ailleurs et puis peut-être qu'on se retrouve sur une des attractions. À bientôt. Salut. J'ai toujours rêvé de voler. Là, je me dis, putain, il y a des bouts de ficelle, un mousqueton. Allons-y. Superman, il est plus sexy quand même. Il me semblait. Waouh. Je suis à ta cause. Quand je dis tant, vous dites guerre. Dunkerque. 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 Allez, Dunkerque. Allez. Wouh. Toutou. Toutou. J'adore cette musique, ça m'en ouf. Pas le moment de poser une pêche d'eau. Même si on est à la Foire du Trône. On est en plein Houdini. J'avais ma tête dans le cul du monsieur. Superman. Pourvu que je vomisse pas. Oh Joe, I'm flying. Yeah. Et regarde, on voit le zoo là-bas. Quelle folie. Genre où t'as l'impression qu'il tombe. Oh non, imagine ça se détache. Oh non, j'ai peur. Imagine Joe. Et là, bam, ça va de plus en plus vite. Non, j'ai vraiment peur là. J'ai la tête qui tourne, je suis en train de loucher. Je louche totalement. Ah non, j'ai peur que ça se détache. Si on bouge pas du tout, on dirait rien, on respire plus. Moi, je préférais vraiment les trucs atroces. Ah, moi, je vais faire un balai. Tu es à bout. Là, il manquerait plus qu'il pleuve. J'ai l'impression d'être choco dans les goodies. Et après, tout dégobillé. On a survécu. On est quand même sur de l'eau. Bah, tu veux que je te prenne en photo, mais regarde. Non, dis-moi. Est-ce que tu sais qui je suis? Oui, t'es belle. Oh là 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 là. Je suis très fort. On part sur quoi? Sur de merguez ou? Ce que tu veux. Moi, je suis Monsieur Dembélé, humoriste connecté en fibre optique ultra HD, SU, HD, OLED, 4K. Allez, vas-y, fais-moi rire. Donc, je te fais rire, t'es belle. Ah, ok, merci. Bon, il pleut vraiment. Là, il faut que je me mette à l'abri. Merci, mon gars. Je la musique que j'aime. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce que nous. Allez! Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir madame. Vous pouvez m'appeler Marion. Vous avez mis le feu? Oui, oui, non, mais ça m'a fait plaisir. Je vous dis, quelle folie! De temps en temps, ça se passe comme ça dans ma tête. Mais j'adore. Et ben voilà, c'est un peu ma vie, elle est comme ça. Et on attend l'album avec impatience du coup. Oui, c'est ça. Vous êtes envoyé un peu en l'air quand même? Non, pas du tout. Uniquement avec ma femme, ça me suffit largement. Ouais, c'est très bien. Et encore un joyeux Noël parce que je l'ai raté. Ouais, et puis attention à la marche. Allez! Oh. Plus vite! C'était les Rois des Soirées. J'espère que cette fois encore vous avez quitté. Abonnez-vous! Oh, je...